Ils ont dit, chez toi ici à Yerevening, ils sont venus se dire, Coco là-bas, la tradition le veut comme ça. À partir de ce moment-là, ils ont dit, pardon, on a cogné chez toi, il y a 10 000 francs une panne. Et puis, une bouteille. C'est le droit de leur permettre qu'ils ont cogné chez toi. Et puis, puisque l'on est des bantous, ils savent. Mais on est rentré chez monsieur Oba. Il nous a fait asseoir. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Ah non. Il faut bien qu'on continue à dire, papa, là, je suis sur le terrain, ton terrain, j'ai piétiné ta terre là. Donc, pour cela, je me permets de vous donner aussi 10 000 francs, un pain et un rhum. Nantouba, Novo, si vous voulez que. On va me faire un peu de temps. Vous savez, dans la vie, lorsque je partais chez M. Obama, c'est vrai qu'il me voyait. Mais aujourd'hui, je veux dire à M. Obama que je veux être le seul. Donc, il faut que la porte là soit maintenant scellée. Il ne faudra plus qu'on voie d'autres pantalons autour. Papa Oba, ici, je vous ai dit que des étrangers là, ils sont pas venus blaguer. Depuis le départ, toi-même tu observes, ils t'ont dit, c'est vrai, d'avoir peur de voir des gens venir en masse chez toi. Mais toi-même tu as reconnu que tu as une personne que tu reconnais dans le groupe. Mais ton problème, c'est de voir la masse. Pourquoi il vient en masse? Et donc, la cause de cette masse-là, c'est ce que tu vois là. Ça y est. Après, n'est-ce pas, la durée là que tu as vu, j'ai déposé là. Papa là-bas et ses parents, ses enfants ont dit, quand on vit avec une femme dans le temps et l'espace, Dieu donne toujours des fruits.
Et ces fruits-là, ils ont fait jusqu'ici, ça va continuer à venir. Mais tant qu'il est venu là, il y a déjà un signe. Très bien, ils ont déjà un être vivant qui existe. Ça y est, ça y est. Pour cela, ce droit de cet enfant-là, il dépose 25 000. Deuxièmement, il dira, depuis qu'il a cogné au portillon là-bas, il a piétiné ta terre, il est venu demander la permission de parler en français, tout ça l'a ramassé, il a dit, moi je ferme cette porte. Ce sont ces 10 000 francs-là. Il dit, balaye-moi maintenant tout ça là, parce que je veux passer aux chausseries. Ça y est. Balance-moi. Il vous dépose 10 000 pour fermer cette page-là. Il ne veut plus attendre parler de tout ça parce qu'il veut avancer. Manouanoua. Tate. Oh. Nous là, qui sommes nés au village, on a des problèmes. Le nom là que je vais prononcer, c'est pour le moment Mademoiselle Kumba Vanessa. Ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend les grimaces, Je n'ai pas encore fini. Ça, c'est le nom que j'ai prononcé. Maintenant, je voudrais savoir là où se trouve ma grand-mère, qui doit être ma belle-mère, ma belle-fille, qui doit être aussi ma femme, parce que ma grand-mère, c'est ma femme. Donc, il y a tellement de choses là-dedans. Ça y est. J'ai envie de voir ma femme parce que c'est ma grand-mère. Essaie un peu de prendre un peu ce qui va plus rapide parce que tu sais que quand on a envie de quelque chose, le cœur bat vite. Papa Obama a dit oui, il n'y a pas de problème. Tu as donné le passage. Le passage est fonction des réalités. C'est toi-même qui a donné ça, j'estime que ta femme va arriver. Et donc, on va envoyer quelqu'un. Va chercher Vanessa. Voyou, maman, je ne savais pas qu'il y a le braqueur là-bas. Mon Dieu, c'est pas possible. Maman, je ne savais pas qu'il y a mis foule. Maintenant, il y a encore des problèmes comme ça, Seigneur Jésus. On m'a braqué. Il sera accompagné des militaires. Là, il n'y a plus de dire oh, on m'a braqué. Zéro. Là, je vais voir ma femme. Là. Voilà. Là, c'est maintenant l'avion. Vous n'avez pas l'aéroport. Il faut préciser l'avion militaire. C'est l'avion militaire. Donc, tu as. C'est déjà que les avions là, on détourne maintenant. Donc, va chercher Vanessa. Thank you.
continuer les festivités, n'est-ce pas? Papa? Ça y est. Ça y est. Parce que Papa Obama ne voudrait jamais que ses enfants femmes épousent des femmes. Votre femme là, non? Donc, Papa Obama demande, avec beaucoup de permission aussi de ton côté, il veut voir ton fils qui est venu dire que si c'est lui qui était venu le voir ce jour-là, il va se rappeler. Présente-lui ton enfant. Votre femme là, non? Ça y est, ça y est. Donc, mais y aller. C'est vraiment d'art. Un maximum d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Taïtaïe. C'est celui-là. Vous pouvez le voir la botte. Et mon fils, il vient épouser, il vient prendre l'enfant de Papa Obama. C'est Mwanda Mwanda. On est là. Écoutez, c'est nouveau. Écoutez, c'est nouveau. Écoutez, c'est nouveau. Voilà. Papa, j'ai décidé d'aller à un mariage. Quoi? J'ai choisi un nom et cet homme s'appelle Quand on a trouvé une fille, on a trouvé un homme. Donc, quand il était mis au monde, ce n'est pas que je vais te garder. Tu dois aller en mariage. Faire les enfants et tout. Tu vois, j'ai de l'émotion parce que je vais te perdre. Mais ça ne me dit rien.
parce qu'il faut être en mariage. C'est ce que je veux. Autant de filles que j'ai, tout le monde doit être en mariage. Amen. Je te bénis, ma fille. Je te bénis beaucoup. Je te bénis aujourd'hui devant tout le monde, devant Dieu. Donc tu vas aller en mariage. Va garder bien ton mariage. Reste bien avec ton mari. La fidélité d'abord avant tout. Donc, les enfants, jusqu'au jumeau, tu dois faire les enfants et faire les fers jusqu'à ce que vous enrichissez votre village. Mon mère, tu vas en paix. Reste bien avec ton mari. Je ne viens contre toi. Amen. Je te bénis aujourd'hui. Au nom du Père. Amen. Ma grand-mère, donc c'est ma femme. Ma belle-fille, c'est la femme de mon fils. Ma mère, parce que c'est elle qui m'a mise au monde. Donc c'est beaucoup. Je ne peux pas quitter là. Et c'est ma mère en divagation. Non. Et moi, je ne suis pas enfant d'adulteur, hein. Ah oui, je sais que maman avant avait des... Voilà, il faut pas chercher loin, hein? Avait un mari. Oui, il fallait arriver d'abord à cette étape. Il fallait casser ça. Pour que demain ou après-demain, que je ne voie plus quelqu'un dire, oh, mais c'est comment? Tu ne viens plus à la maison? Non. Donc, voici ce que je vais déposer pour casser cette barrière. Ça y est, ça y est. Ça y est, ça y est. Avant de continuer, papa, il y a quand même le propriétaire envie de dire tout. Je vous en prie. Bonne année. On a payé pour le français. Je parle quand même à la. Mais tu as choisi quelqu'un. Quand je l'ai vu entrer, d'abord il a cousu sa tenue comme moi. Je dis, mais moi-même j'ai choisi une couleur qui fait un peu la différence. Tout le monde me voit encore. Lui, il arrive. Même les chaussures. Lui aussi, pareil. Ah, là, ça commence mal. Je pensais que j'allais gagner. Mais son orateur là, il avait raison. Il est né dans un village. Il m'a coincé, il nous a coincé, hein, tous les deux. Parce qu'il nous amène deux boissons, du côté de la maman, du côté du papa, deux pagnes, 20 000 francs. Même quand moi-même j'ai fêté ton arrivée tout à l'heure, je t'ai donné 10 000, il me rembourse mes 10 000, c'est bien. Je tiens à te dire que de notre côté, nous souhaitons que tu sois heureux. Heureuse. Cet homme-là, il a l'air vaillant aujourd'hui. Il a l'air bien accompagné. Nous souhaitons qu'il continue à l'accompagner comme ça. C'est vrai que tu portes un panier, que c'est ce panier-là qui fera que tous les problèmes, rien ne traîne. Mais il en est moins vrai qu'elle était respectée par nous-mêmes. Thank you.
tu es. Où que tu sois, chérie, moi j'irai bébé. Où que tu sois, bébé, moi j'irai bébé. Des milliers de kilomètres, je parcourirai bébé. Où que tu sois, bébé, il n'y a pas de prix, j'irai. Voilà un peu ce que nous avons prévu, ce qui nous a été demandé. Nous avons déposé. Et peut-être il y aura eu une vérification. Et à partir de là, nous allons voir la suite. Tout à l'heure, tu disais que. Qu'est-ce qu'il veut exactement? Ma fille, c'est quoi? C'est depuis qu'on est là, on tourne. Mais c'est une maman parmi les mamans qu'il vient m'enlever. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Mais voilà, là nous sommes maintenant dans la phase où ce monsieur-là, qui est en face de vous, qui est venu prendre votre fille en mariage, il a dit, je ne veux pas m'arrêter par là. Je vais sur une chose sérieuse. Donc, et cette chose sérieuse, il commence par là. Vous avez là, lorsqu'on regarde ses pères, 20 liqueurs, 2 grandes mamites, cuvettes 2, 30 pagnes, 30 foulards, vous avez ici, en bière, 12, en jus, sauf si je me trompe, une douzaine aussi. Pour aller un peu plus vite. Et tout ce qui suit, les sacs d'oignons, 2 sacs de riz, couverture, 2 cartons de poisson salé, du sel, 10 litres de pétrole, 20 litres de vin rouge, machette, hache, moustiquaire, couteau de cuisine, mèche, lampe, 2 pipes, 2 tabacs, 2 têtes de tabac, assiette, verre, fourchette, couteau, de manière ramassée, voilà tout ce que l'entremise entre votre fille et son fils là-bas se sont attendus pour qu'il vous apporte, et la débroussailleuse bien entendu, pour qu'il vous apporte ceci. Maintenant, accompagné de ça, j'ai essayé de faire pour aimer le mariage, le couple, tout ce qui suit. Je dépose 1 million de francs CFA pour accompagner les effets qui sont là présents. Mais quand tu déposes 1 million, papa, c'est ça là, 1 million, d'accord? Il est venu, je viendrai un jour, tu avais dit, pour prendre Vanessa, je me rappelle. 1 million. Ok. Mais toi-même, sans que je ne te demande quoi que ce soit, ou bien une idée, ou bien te dire toi aussi, tu es venu, je suis à Ninvoul, si loin d'ici, prendre ma fille. C'est vrai, le matériel est là. Mais quand tu regardes la valeur de ma fille, là, c'est 1 million là. C'est la simple question qu'il te pose. Hein. C'est-à-dire, il ne t'oblige pas de venir ajouter. Tu peux dire oui, c'est ça. C'est pas ça, il n'y a que toi-même. La suite, papa lui-même te dira à partir de ce que tu viendras dire ici. Ça y est. Ma mère qui est assise à côté de mon grand-père, qui dit ah, quelle belle maman. Oh Seigneur, mon fils a bien, n'est-ce pas, mon père l'a bien choisi. Il est où mon ami là? Oui, je t'écoute, papa. J'ai cru que tu comptes encore le canapé. Non, c'est bon. Continue, je te suis. Mon ami. Oui. On est venu pour faire plaisir, pour s'amuser, pour nous aimer. 5. Voilà. Je dépose en tout pour ma mère, pour prendre ma mère pour aller chez nous avec mon père. 2 millions de francs CFA.
Merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour nous. Merci beaucoup pour avoir fait ma mère, pour l'avoir mise au monde. C'est une bonne femme. Si elle n'était pas bonne, on ne devait pas venir. Le nombre d'années qu'ils ont fait pour m'avoir, vous voyez déjà mon âge. Ce sont mes parents. Merci beaucoup, j'ai été remercié. Et à toute votre famille. Et je profite en même temps pour vous souhaiter une bonne année 2023. Thank you.
On a promis, on a prévu quelque chose pour le taxi. Mais quand on regarde, il ne faut pas dire, ah, les beaux-parents là aussi sont coma. Mais c'est la force. Le mois de décembre, c'est un mauvais mois. Voilà, tate. Il y a 400 000. Ce que j'ai essayé de trouver pour satisfaire aux beaux-parents qui ont fait le déplacement. Hey, ça y est.